Voici le guide complet des défis survie semaine 5 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander de battre des Scout Troopers. Donc pour trouver des Scout Troopers, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vos macros jumelles et de chercher les bunkers de Star Wars, donc en rouge. Ensuite, vous rentrez dedans. Et quand vous êtes dans cette grotte, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans la troisième zone. Et pour aller dans la troisième zone, vous allez devoir désactiver les portails en rouge. Donc pour les désactiver, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer tous les soldats qui sont dans la base. Et dès que vous les aurez tous tués, là logiquement le portail s'ouvrira, comme vous pouvez le voir sur le gameplay. Ensuite, quand vous arriverez dans la troisième zone, là vous allez voir des Scout Troopers. Donc c'est les personnages, comme vous pouvez le voir devant moi, ils ont une sorte de casque de moto sur la tête. Et c'est ces soldats-là que vous allez devoir détruire. Dès que vous en aurez tué 10 au total, 5 au total plutôt, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors dernière petite astuce, là moi je viens d'en tuer 5. Ce que je vais faire, pour pas les perdre, pour pouvoir les retrouver assez facilement au cas où il y aura un autre défi qui réapparaîtrait, c'est que je vais tout simplement sortir de la grotte. Et normalement quand je re-rentrerai dans la grotte, les Scout Troopers réapparaîtront en illimité. Alors j'ai remarqué aussi que dans certaines grottes, il n'y a pas obligatoirement toujours des Scout Troopers. Donc c'est possible que vous alliez devoir faire plusieurs grottes impériaux pour essayer d'en trouver. Le prochain défi va vous demander de battre des Snow Troopers. Donc pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans la base des rebelles, donc qui est représentée par le logo rond bleu. Quand vous êtes dans cette base, là il va falloir regarder le ciel pour voir la grosse fumée en fait du crash du vaisseau destroyer stellaire. Ensuite, vous rejoignez le crash de ce vaisseau et normalement, vous allez trouver des Snow Troopers. Alors, je pense qu'ils n'apparaissent que pendant la journée. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, ce que vous faites, c'est que vous restez en AFK là pendant une journée de Lego. Et ensuite, quand le lendemain matin arrivera, vous allez voir que les Snow Troopers vont réapparaître. Après, si vous ne les trouvez vraiment pas là, ce que vous pouvez faire, c'est voyager dans toute la map et avoir de la chance de tomber dessus, ce sera des petites troupes de soldats qui voyageront dans la map. Donc je vous conseille d'aller dans la neige, c'est là où vous allez en trouver le plus. Et peut-être aussi si vous ouvrez un coffre de Star Wars, là aussi ça fera apparaître des soldats. Et si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des Snow Troopers. Alors les Snow Troopers, ils sont blancs et ils ressemblent à ça. Voilà, vous pouvez voir, on dirait qu'ils ont un voile devant leur bouche. Et en fait, c'est ces soldats-là que vous allez devoir tuer. Et il va falloir en tuer 3 au total. Et dès que vous aurez réussi à en tuer 3, là, vous aurez terminé le défi. Et dernière information, vous avez aussi la possibilité de trouver des grottes d'impériaux dans les terres gelées. Et là, obligatoirement, vous allez trouver des Snow Troopers. Le prochain défi va vous demander de terminer une construction guidée de l'ensemble Rébellion en construction. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans vos constructions. Et là, vous allez être obligé de construire une construction rébellion. Alors, pour information, si vous appuyez sur triangle, vous pouvez voir les ressources nécessaires pour la construction. Donc, vous choisissez une construction où vous avez assez de ressources. Et ensuite, vous avez juste à la construire et à suivre le tuto. C'est complètement guidé. Donc, vous avez juste à suivre le guidage. Et dès que vous aurez terminé la construction, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fabriquer une amulette réfléchissante en utilisant un poisson guerrier attrapé dans les terres gelées. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans votre établi. Ensuite, dans l'onglet du cœur, vous allez devoir fabriquer une amulette réfléchissante. Et pour la fabriquer, il vous faudra des fils de laine, du verre et des poissons guerriers. Et pour attraper des poissons guerriers, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une canne à pêche de rareté épique. Et pour la fabriquer, il vous faudra des tiges de pin nordique, du cordon, du fil de laine épaisse et des griffes arctiques. Alors en plus de ça, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser des seaux à appât et pas n'importe lequel. Il va falloir utiliser un pressoir et fabriquer des seaux à appât de rareté épique. Comme ça, un poisson épique, il vaut mieux utiliser des seaux à appât épiques. Et pour fabriquer ces seaux, il vous faudra des seaux à appât normaux, du sirop de slap et des burgers épicés. Alors moi, ce que je vous conseille en plus, c'est d'en fabriquer 10 et d'utiliser au moins 3 cannes à pêche épiques. Ensuite, quand vous avez tout le stuff que je vous ai conseillé,
Là, vous allez devoir vous diriger dans les terres gelées. Donc, les terres gelées, c'est tout simplement là où il y a de la glace et où il y a de la neige. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de chercher un étang. Donc, par exemple, l'étang qu'il y a juste devant moi. Et dans cet étang, ben, je vais lancer mes seaux à pas et je vais essayer de pêcher des poissons guerriers. Parce qu'il m'en faut 10 de poissons guerriers. Donc, ça va être assez compliqué et ça va être assez long. Ok, donc là, je suis arrivé dans le lac des terres gelées. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un seau à pas dans l'eau. Je vais prendre ma canne à pêche. Je vais lancer mon hameçon. Et dès que mon hameçon va mordre, je vais maintenir R2 pour essayer de pêcher un poisson. Ok, donc là maintenant je tiens R2 et hop, j'ai obtenu un poisson. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en illimité pour essayer de choper un poisson guerrier. Après une heure, je viens de capter comment fallait faire. J'ai pêché pendant une heure dans les terres gelées. J'ai usé mes 10 appâts épiques. J'ai cassé 2-3 cannes à pêche et j'ai rien attrapé. J'ai attrapé que dalle. Et là, regardez, encore un poisson guerrier, c'est une dinguerie. En fait, je pense qu'il y a un problème dans le défi. Peut-être qu'on peut en attraper dans les terres gelées, ça je dis pas. Peut-être, mais c'est très compliqué. J'ai passé plus d'une heure et ça m'a littéralement cassé la tête. Et j'ai remarqué un petit truc en pêchant dans les terres gelées, c'est que quand on se déplace, on reste pas au même endroit, ben on pêche de différents poissons. Donc n'hésitez surtout pas à pêcher à différents endroits quand vous pêchez, parce que ben, ça vous permet d'obtenir d'autres poissons et sûrement plus de chances d'obtenir un poisson guerrier. Mais là en fait, pour réussir à pêcher un poisson guerrier, ce que j'ai fait, là je viens d'en pêcher deux en 2 secondes, donc c'est ces poissons-là. Pour réussir à les pêcher, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans la grotte de Star Wars. Donc la grotte qui est ronde, bleue, que vous pouvez remarquer avec les macro jumelles. Donc je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon. Ok, donc j'ai utilisé mes macro jumelles et je me suis dit, ok, je vais essayer d'aller pêcher dans une grotte de terre gelée. Mais ça marchait pas parce que je trouvais pas d'eau et quand je trouvais de l'eau, elle était gelée. Donc ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis dit, je vais essayer dans la grotte des rebelles. Donc avec le rond là, de Star Wars, je me suis dit comme c'est une quête, un défi de Star Wars, il y a peut-être moyen que ça fonctionne. Et effectivement, après même pas 30 secondes de pêche, j'ai pêché un poisson guerrier. Donc c'est juste une dinguerie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans une grotte, j'ai lancé mon seau à pas, et bien entendu épique, et j'ai commencé à pêcher. Donc là, je vais finir mon coin de pêche. On va voir si j'en repêche hein, facilement. Ah, peut-être. Ouais, regardez. Poison guerrier. Franchement, c'est fou. C'est fou comment c'est facile en réalité. Et c'est fou comment j'ai perdu une heure de mon temps à rien faire, quoi. À pêcher, ça m'a tellement saoulé. Enfin bref, quand vous aurez réussi à pêcher 10 poissons guerriers légendaires, enfin, ouais, c'est ça, 10 poissons guerriers, ben là, vous aurez plus qu'à aller à l'établi et créer votre amulette réfléchissante et ensuite vous aurez terminé votre défi. Et le dernier défi va vous demander d'utiliser une émote danse avec Kalim Pun l'artiste. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir atteindre le niveau 9 de votre avant-poste rebelle. Donc quand vous êtes au niveau 9, ils vont vous demander de fabriquer la scène de Cantina. Donc pour fabriquer cette scène, vous allez devoir aller dans vos constructions, ensuite dans vos meubles. Vous allez devoir construire dans loisirs la scène de Cantina. Vous construisez la scène de Cantina où vous voulez. Donc je vais essayer de la placer par exemple ici. Et là maintenant, vous allez devoir améliorer votre camp. Donc bien évidemment, il faudra faire toutes les quêtes qui sont demandées au préalable pour améliorer votre camp. Dès que vous avez amélioré votre village, là vous attendez quelques instants et normalement, Cantina va venir faire un spectacle. Après, n'oubliez pas de mettre un lit de disponible, donc moi j'en ai mis un là, pour pouvoir accueillir Cantina dans votre village. Donc regardez, c'est pas Cantina plutôt, c'est Kalim. Donc regardez, là Kalim vient de rejoindre mon village, donc je vais lui parler déjà. Et je vais lui demander de rejoindre mon village. Donc, ok, donc apparemment en fait, Kalim a rejoint automatiquement mon village. Dès que vous avez atteint le niveau 10 de votre avant-poste, il rejoint automatiquement votre village. Vous n'avez même pas besoin de le recruter, quoi. Donc ensuite, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement faire une petite émote à côté de lui. Donc
Voilà, vous faites n'importe quelle émote. Et quand vous aurez fait une émote avec Kalim, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.